Bonjour à tous sur casman.fr. Alors voilà, une nouvelle vidéo. J'avais fait un tutoriel sur ce sujet-là. C'était un sujet qui concerne le plantage des mises à jour de Windows 10. Les installations ne se passent jamais bien, il y a toujours des erreurs. J'ai utilisé des outils, d'innombrables outils pour essayer de réparer ça. Et franchement, rien ne marche. Rien ne marche, donc la seule méthode que j'ai trouvée, c'est celle que je vais vous décrire là. Je vous mettrai des visuels de tous les tests que j'ai fait auparavant et maintenant pour arriver à la procédure valide. Alors, bonne vidéo à tous. Thank you.
Et voilà, comme toujours, comme je vous l'avais déjà dit dans un tutoriel, c'est la seule méthode qui fonctionne pour réinstaller Windows si on a les fameux bugs, erreurs. Je vous passe les numéros. Mais bon, avec des outils de récupération, de réparation, ça ne fonctionne toujours pas. Donc c'est vraiment la seule méthode disponible pour réinstaller Windows sur une ancienne version. Donc là, je passe de la 1903, je crois, à la 1909. Donc voilà, j'ai même enlevé ma carte SD, donc il me reste, je fais cette manipulation sur mes 32 Go et 16 ou 15 Go d'espace de stockage vierge. Voilà, donc vous verrez à la fin si ça a fonctionné. Bon, la procédure est longue, j'en suis à 76%. Ça fait déjà 2h30, 3h que le téléchargement a démarré, je crois même plus que ça. Donc c'est quand même long. Mais bon, j'attends la fin de cette procédure avec le pourcentage qui s'achève. Et ensuite, c'est très simple, il suffit de lancer l'installation de Windows, hein, la mise à jour. Et je vous montrerai le résultat final, si je peux, dès qu'il redémarre. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc j'ai bien réussi à installer la mise à jour de Windows sur un nano ordinateur, hein. C'est pas un nano ordinateur, c'est un mini PC, donc c'est la Wintel Pro. La seule solution que j'ai utilisée, vous voyez, c'est celle-ci que je vous ai décrite dans cette vidéo, et ça fonctionne parfaitement. Donc si ça peut vous aider, tant mieux.